Hey, salut tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Road to SSL. On se retrouve du coup avec Club by Zilo. Donc j'imagine que c'est simplement Zilo. Départ ici à 1603. J'ai fait une petite game avant que je pensais avoir record, mais pas du tout. Mais au moins ça m'a permis de m'échauffer. J'ai gagné 5 à 1, pour ceux qui veulent le savoir, mais après on s'en fout un peu en vérité. Combien je gagne ou pas. C'est surtout les games en soi qui sont intéressantes, est-ce que je dis. Donc on va se reconcentrer dessus. Oh, j'ai raté mon setup, j'ai trop le seum. Je voulais tellement la mettre en l'air, mais... Ok, à toi. Dommage, je vais essayer de la cut au cas où. Ah, c'est pas dans le bon sens, chef. Ah ouais. Oh, il a anticipé ça, sérieux. En vrai c'était assez complexe pour ça, j'ai pas trop expliqué. J'ai juste attendu qu'il s'approche pour double saut et partir en setup. Mais il a clairement anticipé le frérot. Ah bah ça aussi il a anticipé. Bon, j'ai un peu le seum là. Bon je fais pas un début de game de fou. On va juste anticiper le tir. En vrai il a juste attendu, je sais pas pourquoi. Il voulait jouer un 50 peut-être. Et c'est surtout que mon allié était pas dans une bonne position. Pour l'arrêter c'était un peu galère en vrai. Hop, on a fait une petite fake. On va rester quand même ici, hein, on sait jamais. Bon là je peux pas faire grand chose avec. Je prends des pads. Et je sais pas pourquoi mon allié me spam alors que j'ai vraiment aucun boost. Dommage, j'ai voulu plan B mais je sais pas faire en fait. J'avais pas assez de boost pour reprendre ma reset, je pense. Dommage. Ok, nice. Ça s'est super bien passé, belle passe. J'ai turn assez rapidement. Oh, y'a un mec qui bug, enfin j'avais pas vu. Et j'ai vraiment bien réagi en vrai. J'aurais peut-être pu réagir un peu plus vite, mais bon. Franchement, là, vu déjà l'outspeed que je lui ai mis, j'aurais pas pu faire beaucoup, beaucoup mieux quoi. Franchement, à part réagir plus vite, il n'y avait pas d'autre solution. Et franchement, je m'en sors déjà super bien, je pense. Ah, il casse les couilles. Dommage. Ok. Ouais, ça, je vais la toucher quand même. J'aime pas les balles qui partent trop sur le backboard. C'est assez important de pas les laisser faire. Je pense qu'elle était pas dedans. Et j'avais pas trop envie de sauter non plus. Là. Ok, bon il est là, ils se font des passes tranquillement. Je laisse chill. Ah je les bump et tout, je mets la pression mais je sais pas pourquoi il suit pas. Je sais pas quoi faire. Ok, il tire en bas du coup. Et j'ai pas encore pré-shoot une seule fois de la game et il a deviné genre d'instinct que j'allais pré-shoot. Bien joué lui. Je sais pas si c'est fait exprès, mais j'imagine. Ok. Il a du boost, mon allié, on l'a vu. Du coup, on va prendre celui-là sans problème. On va juste follow. Je sais pas s'il fait une passe. Ou... Bon, s'il fait de la merde, je peux récup. Mon allié a l'intention de la récup. Ouais, c'est un peu la galère pour moi. Ah, c'est but, hein. Ah non. Ah, si. bon, là, j'explique un peu. Il me spam dans le chat, je sais pas trop pourquoi. Il est assez toxique. Bon, après, ça va, il s'est juste dit. Du chat rapide, mais le frérot en vrai il a turn 5 fois d'affilée, il m'a cut 2 fois et genre la balle, moi je sais pas ce qu'il fait en fait, je peux pas deviner qu'il a cut 5 fois d'affilée. Le frérot c'est entièrement de sa faute et on n'est pas en voie que je peux pas savoir qu'il va me turn. Bon, GG, petit but. Après, les mecs en face, franchement, ils font pas mal d'erreurs, donc c'est pas un problème, hein, genre ça. Il y en a de tous les côtés des erreurs, on est en 1600, c'est tout à fait normal. À gauche. Ouais. Je l'aime pas trop. Hein. Un peu lent. Bon, il l'a pas vu, il a pas trace ma passe, c'est dommage. Il peut y aller. Dommage. Je pensais qu'il allait turn. En fait, il se donne un style de jouer vite, mais il joue vraiment pas vite du tout. Hein. Il turn quand il n'y a pas besoin de turn. C'est assez bizarre en vrai.
Non, le bump est terrifiant. En vrai, sans le bump, là, le double saut aurait pu passer. On va essayer de mettre la pression, mais je peux pas trop. Il y a les mecs qui, à chaque fois, ils tapent dans la balle. Hein. Ils veulent vraiment pas que je l'ai. Il y a personne. En vrai, t'es chill. T'as une petite balle. Ça se tente. 50-50, sympa. Ouais, et du coup, c'est but. Et bah, c'est bien joué. J'aurais peut-être pu mieux faire pour la démo, mais j'ai vraiment foncé comme un bourrin. Ah, pas bénef. 10 kick off goal, ça met bing. Et nous voici dans cette deuxième game. Road to champion, il s'appelle le fun. Road to champion. Je crois qu'il fait la chose un peu à l'envers, lui. Il a pas trop compris. Allez, c'est parti. Oh, j'ai une petite balle. On prend. Bon, j'ai pris le boost, c'est vraiment pas la meilleure chose. Ouais, j'ai vraiment fait un setup de goal, mon. C'est vrai qu'il faut essayer de lire. Elle est pas cadrée. Non, dommage. Je vais juste prendre le boost là. Gêner ça. Et voilà. Oui, monsieur. Sous accélération. C'est ce qu'on appelle outspeed, les amis. Bon, après, le mec, il s'y attendait pas que son pote allait se faire turn. Et du coup, ils ont tous les deux été choc bar chacun leur tour. Mais bon. En vrai, bon, c'est quoi 1640, ouais, voilà. C'est un peu normal que je sois un petit peu plus rapide. Bon. Sur certains moves, en tout cas. Ok, il l'a pris. J'aurais préféré qu'il essaye de viser le but avec. Parce que c'est bien de se dépêcher dans ces moments-là, mais bon. Viser le but, ça reste la priorité. Hein. Oh, il l'a quand même eu. Je pensais qu'il allait pas prévoir là-bas. Moi, j'avais vu. Ouais, je vais pas y aller, j'ai pas de boost. Lui, il fait que turn dans le centre. En vrai, il joue super bien sur ça. Ça, c'est important de turn vers le centre. Parce que, arrivé à un moment, les gens anticipent trop sur les murs, rejouent trop sur les murs. Et jouer direct dans l'axe en contre-attaque, c'est vraiment super fort. Et c'est assez dangereux en vrai, parce que t'as peur de te jeter contre un mec qui peut aller à droite et à gauche. Alors que quand t'es dans un, enfin, t'es sur un mur, tu peux aller que dans un sens. Tu vois, tu peux pas taper. Après, tu peux taper dans le mur et que ça revienne, mais en soi. Wesh. Ça coupe des trucs ici. Ok, ça va, il défend. Ouais, je me suis peut-être un peu avancé. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Ça va, mon frérot? Ah, c'est bien joué. Hein. Oh, il a bien joué. Dommage que lui, il a pas compris son move. Il a vu bien joué. Ouais, j'arrive pas. C'est dommage. Bah, j'ai pas de turbo non plus. Hein. C'est pas. C'est pas glorieux là en termes de boost. Ouais, je me doutais qu'il pouvait pas la mettre. Ouah, dommage. J'avais réussi à la dévier un peu sur la gauche. J'aurais préféré faire un vrai musty, mais j'ai un peu galéré, j'avoue. Ok, une petite passe, petit truc. Y'a pas de boost. Ouais, ouais, je comprends pas trop là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Ah, dommage, ça revient sur lui. J'ai vraiment trop seul. En vrai, je vais bump. Hein. Dommage, j'ai pas turn. Ouais, c'était sûr que ça allait rentrer. Il a trop attendu là. Je sais pas si c'était à moi d'y aller en vrai. Mais je pense qu'il. En fait, de par le fait qu'il est rota à l'envers, du coup, c'est dur de savoir qui va y aller. Tu vois, c'est. Quand t'es à deux dans le même sens, tu sais qui y va. T'as le mec devant, t'as le mec derrière. Mais sauf que comme il est à l'envers, c'est le plus proche, mais il est à l'envers. Donc. En soi, c'est un peu bizarre, tu vois. Pour moi, c'est à lui d'y aller, mais comme il est à l'envers, il a pas envie d'y aller, lui. Je sais pas trop quoi faire. Moi. Oh, frérot! Oh, applique-toi! Ah, j'ai pas assez de boost. C'est malheureux. Je sais pas si j'aurais dû sauter, mais en vrai, c'est au cas où j'arrivais à le choper, ça aurait été bien. On va juste attendre, chill. Hop, petit 50 qui met bien. Il y en a un qui joue bien hein, sur les deux. Toi, il a pas l'air foufou, mais l'autre. Ils ont tous les deux des pseudos de Goldman, ça met bien. Bah, frérot, c'est ça que je comprends pas chez les gens, genre. Pourquoi il vote FF là? Il est au courant qu'il vient juste de rendre la balle et derrière il a pas défendu? Ok, t'as pas de boost mon frérot, mais t'as pas besoin de boost pour arrêter une balle comme ça. Hein. Genre vraiment. Hein. C'est dommage. Oh,
Vas-y. Pas deux fois, hein. Ok, nice. Ça va, ça va, ça va. Il a écrit sorry I'm full tilt. Ok, ok. C'est rare qu'il y ait des gens qui s'excusent sur Rocket, donc franchement, je le prends super bien. J'en veux pas. Ouais, il l'a mis en l'air. Il peut pas faire grand chose. Il a bien défendu le backboard là, c'était vraiment le move à faire. Je me sers de lui pour dégager. Je vais mettre la pression, je vois qu'on a galéré pas. Hop. S'il y va, c'est bien. Dommage que c'est pas cadré. On va juste attendre hein, parce que lui il fait peur. En vrai, c'est bien joué. Oh, il a été dedans! Mais c'est vrai que faire un flip reset devant ses cages, c'est pas souvent la meilleure solution. Évidemment, à chaque fois il nous bait, etc. Il sait que moi je vais pas y aller, mais mon allié a complètement pété son crâne là. Parce qu'honnêtement, il devait tellement pas y aller. Enfin, il aurait pu se faire passer assez facilement et. Et le fait qu'il y aille, bah ça l'a surpris de fou. Ah, il est ok. Bon, c'est un peu galère là, la défense. J'ai juste dégagé la balle comme on est devant. Nice, bien joué. Bon, ça nous met bien. Je suis avec qui? Oh, je suis encore avec Zilo. J'avais gagné, non? Pourquoi j'avais gagné? Bah, je fais que gagner, je crois. Et j'en ai encore contre E. Et qui jouait plutôt bien en vrai. Mais maintenant qu'il habitue un peu mon gameplay, c'est un peu dommage. Bon, 1-0 en 2 secondes. Franchement, c'est chiant, mais c'est pas dramatique. Hein. C'est 1-0 en 2 secondes, quoi. Comme je l'ai dit. C'est en 2 secondes. Donc c'est pas. Ouah, dommage. Il y avait de quoi rattraper. J'ai juste récupéré des boosts. Hop, on va bien faire chier. Du coup, on va keep la pression. Ah, oh, j'ai kebab. Allez, vas-y. Non. On va juste mettre. De pression vraiment. Ah, il est pas là. Oh non, c'est dommage, il y avait tellement un truc à faire là. S'il récupérait cette balle, on était tellement bien. Ouais, ok, bah fais donc et rend la balle. Dommage, en fait je m'attends trop à ce qu'il soit premier sur des balles comme ça. Vraiment, ça fait deux fois il est pas du tout premier. C'est un peu triste. Il fait pas vraiment les moves que je pense qu'il devrait faire. Après, bon, chacun a son gameplay, j'ai envie de dire, mais quand même. Il y a des moves, ils sont assez logiques. Par contre, il y a un truc qui est en train de me tilter, c'est... pourquoi je me fais exploser à chaque fois que je prends un duel contre l'autre? J'aimerais bien le savoir, ça. Gacrux. Pourquoi j'explose? Pourquoi juste j'explose? Ok, c'est pas mal en vrai. Ah, c'est dommage juste qu'il atterrisse sur le boost. Franchement, c'est juste triste. Faut y aller, chef. Arrête! Bah vas-y, genre, tu fonces dedans. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, vas-y. Oh, dommage. S'il réagit une demi-seconde plus tôt, je vous jure, il y a open. Ça fait trois fois. Trois fois où il a vraiment des bonnes balles et il attend. Ah, c'est con de ralentir. En vrai, il veut peut-être être sûr de le passer. Ouais, ouais. Tu passeras pas comme ça par contre. Ah, j'avais pas de boost. Il a compris un peu plus tard. Ils ont pas l'air mauvais les deux en face. Va falloir que je trouve une solution pour que ça marche avec mon allié. Et ça va pas être facile, ça je vous le dis. Ok, j'ai une bonne balle. On va juste clear ici. Je sais pas viser le but par contre. C'est un peu triste. Ça fait un petit centre en vrai. Hein. Ouais, il s'est fait outplay. Outspeed. Ouah, il a fait exprès, bien joué à lui. Ah, il a vraiment du mal Zilo quand même. Hein. Ça fait deux games où vraiment il est assez lent. Waouh, c'est chiant ça. Ça c'est chiant. Et pour pas changer, on re-TFF évidemment. Comme on joue à Rocket League, le mental ça, on coco pas. Et pas on coco pops. Ok, ça fait un petit turn. Oh, c'est dommage. J'équipe la pression tout seul, hein. Je vois que bon, il a pas trop envie de jouer là. Oh, but. Nice. Ça le met bien ça, non? Ça le met en confiance un peu, non? T'as pas envie de rejouer un peu? Non, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est pas contre toi. Ok. Ouais, il a tenté. Il a tenté. Démo, nice. Ok, 50. Ouais, il peut la mettre. En vrai, il joue bien. Hein.
Il s'en doutait que j'allais prendre mon temps au moment qu'il a démo et tout. C'est bien joué. Ok, pas si mal. Y a... Ah, c'est... il manquait peut-être juste le fait de taper la balle là. Allez! Non, j'ai un seum, frère! C'est pas possible! Il n'y a pas de boost. Je me bats! Mais c'est dur! Ah. Ah, j'aurais tellement voulu la prendre. Je pensais pas qu'il allait faire ça, j'aurais dû lui prendre. Je sais pas ce qu'il voulait faire en fait. Je crois qu'on s'entend pas trop bien. Hein. On a quand même réussi à gagner une game tout à l'heure. Mais là, vraiment, ça marche pas du tout là. Quand on joue contre des gens qui savent jouer, dès que t'es pas coordonné, c'est finito. Oh vas-y, il m'a explosé. Ah c'est dur, c'est dur. Ah c'est con parce que j'aurais bien voulu jouer avec... un contre A avec quelqu'un qui joue quoi. Parce qu'il a pas l'air mauvais, tu vois, c'est intéressant tout le temps de jouer avec des gens qui jouent bien. Mais genre, on voit très bien que les deux autres ils suivent pas dans la game, donc bon. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais. Ok. Petite passe là. Ouais. Certains trucs. Ah, dommage, il sait pas avancer plus. Je sais pas pourquoi il est à l'envers, il joue plus. Et je vais avoir un petit message d'amour ou pas là. Okay, je suis pas sûr mais je vais FF. Hein. Je pense qu'il veut juste plus jouer. Hein. Ah. Moi j'en connais un qui vient d'exploser sa manette. Bah GG. Bon, je pense qu'il était content de m'affronter parce que les games étaient plutôt sympas avec E. On voyait clairement qu'il y avait une différence mais bon c'est pas très grave. On est en 1600, ça va. Bon j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce bleu. Sur ce je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao.